Шайкова напишея она имела, да-да. Только вечер наступает, Лёля в городе шагает, и за нею шайка блатышей. Да-да! Старый хрен, куда ты прешься? Что ты дома не ебёшься? Или тебе старуха не даёт? Да? Да. Nom Limonov, prénom Edouard, dit Edichka ou Eddie Baby. Né en 1944, quelque part en Russie. Je suis un communiste indépendant. Domicile connu dans les années 50 et 60, Kharkov, une grande ville industrielle d'Ukraine, et Moscou. Occupations successives, écolier, voyou, ouvrier d'usine, voyou, poète. Qu'est-ce que c'est pas ça ? Maintenant. Émigré à New York dans les années 70. Occupation, plongeur, domestique, poète. Dernier domicile connu, rue de Turenne, Paris. Eddie, c'est dur d'être écrivain à Paris aujourd'hui. Écrivain russe, émigré. Oh, mais pourquoi c'est dur d'être écrivain partout, hein? Ben, émigré. Émigré, bon, c'est bien, russe. C'est bien pour les personnages, pour les... Pour moi, c'est bien. C'est une nouvelle expérience, c'est possibilité d'habiter parmi des gens nouveaux, parmi les nouvelles vies. J'adore ça. C'est bon, il faut jeter les écrivains des pays natals. Il faut faire ça avec les... Oui, c'est mon avis. Des images existent des écrivains russes. Une, c'est écrivain soviétique, oui, évidemment. Et d'autres, c'est écrivain dissident. Et j'ai été le nouveau type, des nouveaux genres d'écrivains. Ni officiel, ni dissident. Non, pas officiel, pas dissident. Et c'est difficile, c'était difficile pour moi d'établir mon carrière. Jusqu'à maintenant, c'est parfois difficile, tu sais. Pourquoi ? Par exemple, à cette émission de Michel Polak, à droit de réponse, quelqu'un m'a dit, mais si vous n'êtes pas dissident, pourquoi vous n'allez pas à l'URSS ? Pourquoi vous ne retournez pas à Moscou. Ils ne peuvent pas imaginer que d'autres choses existent. C'est pas les questions. Habite ici ou habite là-bas ou c'est stupide. Hein? Tu n'aimes pas le régime soviétique. Tu n'aimes pas le KGB. Tu n'aimes pas la CIA. Tu n'aimes pas les dissidents. C'est une. C'est une position très marginale, finalement. Je n'aime pas le sucre, je n'aime pas... Beaucoup d'autres choses aussi existent que je n'aime pas. Eddie Baby avait grandi avec la conviction inspirée par sa mère que son père était trop honnête. Déjà à l'époque où il était plongé dans ses livres, Eddie avait décidé qu'il ne voulait pas lui ressembler. Eddie Baby est fermement convaincu que toute l'espèce humaine se divise en deux catégories. Les gens qu'on peut tabasser et ceux qu'on ne peut pas. Lui, on ne peut pas le battre. Тот, кто рожден был у моря, тот полюбил навсегда. Белые мачты на рейде, в дымке морской города. Свет маяка над волною, южных ночей забытье.
Ta famille débarque à Kharkov en quelle année? Oh, 50, je pense, mm-hmm. si je ne mm-hmm. me trompe pas. Ou peut-être un peu avant. Oui, enfin, peu importe l'année. Oui. Mais quelle est ton image, ta première image de Kharkov? C'est comment? Tout était détruit, toutes les choses étaient détruites. Première, notre appartement était le, dans la rue Krasnarmeyskaya. Tu sais, de l'armée rouge. De l'armée rouge, oui. Et exactement en face de la gare. Et la gare était détruite jusqu'à les dernières pierres, tu sais, les dernières briques. Il y a de la famine? Famine, je ne souviens pas les vraies famines, mais les certaines choses étaient difficiles de se procurer, tu sais, comme j'ai dit, les pains, les beurres. Il y a des analphabètes. Mais les vraies famines comme les... Non. Il y a des analphabètes? Non, tu imagines, la Russie toujours, c'est plus, plutôt les pays plus Donc on est littéré du monde. On construit, on reconstruit, on crée des usines. Oui. Oui. Et les couleurs? Couleurs plutôt gris. Gris avec les... gris sinistre. Les odeurs? Les odeurs, bon Dieu, je ne réponds pas à cette... laisse sonner, rien de grave. Les odeurs de métal chaud, les odeurs proximité des usines métallurgiques, des poussières après les pluies et choses comme ça. Il y a de grandes usines, notamment métallurgiques. Beaucoup de grandes. Oui. Autoportrait d'un bandit dans son adolescence, édition Albin Michel. Le poète russe préfère les grands nègres, édition Jean-Jacques Pauvert, chez Ramsay. Journal d'un raté, édition Albin Michel. Non, merci. Je suis toujours ex-serviteur. Histoire de son serviteur, édition Ramsay. Pisatel. Et maintenant, les plus proches. Salade niçoise, librairie Le Dilettante, Paris. Tu rajoutes un peu de mayonnaise et puis un œuf dur et ça va. Oui, c'est salade à l'orange. C'est pas si mal chaud. Oh, merci à toi.